just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey yo les mecs, c'est Petit Bandit. Ouah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Alors, que je vous explique, parce que là, faut que je vous tienne un peu au courant de ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo sera commune à mes deux chaînes, ma chaîne de gaming et ma chaîne de moto, je pense, parce que j'ai plus beaucoup de temps à moi en ce moment avec le taf. Donc, je pense que ça sera une vidéo commune. Il y aura de la moto pour une fois, il y aura de la moto sur ma chaîne de jeu. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé une nouvelle formation professionnelle qui me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, je suis originaire du Maine-et-Loire, comme vous le savez, certainement, en France. Voilà, donc je suis originaire du Maine-et-Loire. Et je vous mettrai une carte et j'ai été, je suis parti en formation pour une durée de 8 mois, donc jusqu'à janvier 2018. Une formation de 8 mois, donc à Chaumont, en Haute-Marne, dans l'Est de la France. Là-bas, j'ai pas internet, j'ai que mon téléphone pour avoir internet. J'ai forcément, j'ai pas la moto et pour les joueurs, j'ai pas mon PC. Donc du coup, ben, c'est compliqué de continuer de fournir du contenu dans ces conditions. Donc malheureusement, ben, je peux pas, pardon, je peux pas fournir de contenu. Il fait quoi lui? Oh là là. Je peux pas fournir de contenu, donc du coup, bah, c'est vrai qu'il y a eu un petit temps mort sur la chaîne, les chaînes même. Et il y en aura d'autres des temps morts, j'essaierai de temps en temps de... Je pense que ça sera beaucoup de la moto. Donc ceux de ma chaîne, on va dire gaming, ceux de ma chaîne gaming, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne moto. Hop, le rétro qui était mal mis. Parce que c'est là, je pense qu'il va y avoir plus de contenu. Et donc c'est pour ça, oui, que je, bah, y a plus de contenu sur mes chaînes. Et voilà. Mais aujourd'hui, là, ce week-end, hop, là, on va chez Daffy Moto à Angers. J'en fais un gros big up d'ailleurs. On va chez Daffy à Angers faire la vidange du bandit parce que je l'ai acheté à 42 000 km à peu près. Et là, je sais pas si vous voyez, on est à un peu plus de 57 000. Donc j'ai fait 15 000 bornes et je n'ai jamais fait la vidange. Oh, joli! Pardon. Et j'ai jamais fait la vidange, donc il serait peut-être temps. J'avais refait un complément d'huile il y a quelques mois. Mais là, là... Il faut faire la vidange. Sinon, quoi vous dire de plus? Parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Oui, non, oui, non. Bah écoutez ce que je fais. Eh, on va se couper là. Et puis... soit je vous ferai un petit timelapse quelque part, ou en tout cas je refermerai cette vidéo proprement, on va dire, parce que là ça ressemble à rien. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé et que j'ai pas. Enfin que j'ai pas roulé, non? Je roule tous les week-ends quand je rentre. Mais que j'ai pas parlé à une caméra. Et croyez-moi, c'est pas un truc qui, au final, on peut croire que ça s'improvise, mais ça s'apprend. Donc moi, je vous mets en pause et je vous dis à plus tard les mecs. Plus plus. Je vous reprends en fait de suite parce que j'ai regardé ma caméra et j'ai plus qu'une barre de batterie. Parce que oui, j'utilise plus non plus ma caméra. Donc elle était. J'ai pas fait gaffe à la batterie. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Et je vous retrouverai peut-être plus tard avec une caméra chargée. Ailleurs. Là on est à Vrier, à côté d'Angers. Donc sur ces putains de rails de tramway. Eh, la première fois que vous roulez là, je vous jure, ça fait bizarre. Hein. Mais voilà. Donc écoutez les mecs, je vous dis à la prochaine. Suivez-moi notamment sur Twitter. J'essaie d'être actif là-bas. Malgré la formation et tout le temps que ça me prend, j'essaie d'être actif là-bas. Donc écoutez, ride safe. Pour les joueurs, amusez-vous. Continuez de vous faire plaisir en jouant. Un big up à tous mes potos de toutes les communautés. Les motards, les joueurs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les mecs. Going with the gut, never
never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't